Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 16e épisode sur The Last of Us Part 2. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. On va se continuer l'aventure, on essaye de sortir des égouts, des sewers de Seattle. Après s'être fait pousser par... c'était quoi? C'était peut-être un claqueur. Je sais plus trop. C'était un infecté en tout cas. Hop. Où est-ce que j'ai atterri? Putain, mais... En fait, on se pose les mêmes questions. Ça a l'air d'être une banque encore. Attends. Washington Transit Authority. Ok. Donc, c'est quoi? C'est une station de métro, ça? Oh! Bien joué! Bien joué de votre part. On a des petits trucs à collectionner ici? Ça a l'air d'être le métro, voilà. Mais on va beaucoup de fois dans le métro, mine de rien. Pioneer Square. Ok. J'aime bien ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Bon. L'escalator, de toute façon, il est plus activé. Ok. Vous êtes ici. Et l'hôpital est là. Je vais traverser le parc. Ok, donc on a encore une petite zone ouverte. C'est sympa. Au final, on avance de... Moi, j'appelle ça des gouttes, ces zones-là. On avance de goutte en goutte. C'est assez sympa. Qu'est-ce qu'on a là? Fais-moi voir. Ok. Un arbre. C'est sympa. Ok, on va se soigner quand même. Pour éviter les bêtises. On est reparti. Je sais pas si on doit être discret. Dans le pire des cas, on va mettre l'arc en premier. Non. On va changer de munition, voilà. Tiens. Pourquoi je pourrais aller ici? Oh, d'accord, on est là. Vous avez entendu les coups de sifflet? Ça, c'est les séraphites, hein. Ça, c'est les séraphites, ou alors j'y connais rien au jeu. C'est qu'ils ont... Ils font pas de bruit. Non, c'est le... C'est la corde du pendu qui fait du bruit. Ah ah. Peut-être qu'on va déclencher une cinématique. Peut-être qu'on va se faire arracher. De manière immédiate. Ok. Ah! Avoir une flèche dans le corps vous inflige des dégâts réguliers. Ah bah super. C'est qui, putain? Putain! Il a eu le temps de me tirer quoi. Vous êtes combien? Ils ont l'air d'être beaucoup quand même. Où est le suivant? Ah ouais! Ah, bande de petits bâtards là, regarde ce qu'on va te faire. Regarde ça, tu veux mettre des flèches? Ok. Ils font stresser hein. Attends, mais il est où? Si j'en suis mon instinct. Attention!
Ok, bon instinct. Ils sont aussi discrets, voire plus que moi. Attends, je vais vérifier son alignement. Alors, vous voulez la jouer salope, on va la jouer salope. Hein. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Bon sang, à terre, vite. Putain, mais t'es le mec de l'immortel, toi. Crève. Ok, et toi, MacGyver, là? Merde, il est où? Putain, il se déplace trop vite. Il est où? Je l'ai perdu. Donne-moi le calme. Mais attendez, il se téléporte ou quoi? Je le vois pas. Qu'est-ce que c'est que cette alien? On va devoir se la jouer à l'ancienne. Voilà mon pote. Tu connais Diablo X9? Maintenant oui. Pas mal cette petite référence là. Sur mon descar. Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut les fouiller? J'espère que vous avez pas pendu Nora. Qui ça? En fait, ça me stresse de plus avoir aucune munition. Mais vas-y, c'est eux qui m'ont cherché. Hein. On peut pas. On peut même pas ramasser leurs flèches. C'est un délire quand même. Là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord, c'est un truc qui brille. Je croyais que c'était un bug de texture. Putain, par contre, ouais. Niveau des flèches, c'est pas hyper cool. Hein. Qu'est-ce qu'il m'en faut? Qu'est-ce qu'il me faut, pardon? Du scotch, enfin du ruban adhésif. Ok, ils sont bien coriaces. Même au niveau des balles, ils sont assez résistants. Après, j'avoue que je pourrais. Oh, c'est beau. Hein. Je pourrais mettre plus de têtes. Mais la tête, c'est tellement dur à viser. Ok, ici on a quoi? Je sens qu'on va rentrer dans une phase de l'histoire assez intéressante. Bon, je me balade un peu comme si j'étais chez moi maintenant. Plus rien à foutre. J'ai que 2 balles de toute façon. Ok, voilà la route qui mène à l'hôpital. Ouais, ouais. Bah écoute, si tu me dis que c'est par là. Non, ça doit être plutôt par là. C'est bien plus dégagé. Et oui, première avenue. C'est bien assez dégagé pour que ce soit un piège. Oh! Merci, monsieur. C'est quoi? C'est un... Ah non, c'est une balle pour ce fusil-là. En fait, je confonds parfois les munitions avec celles du pompe. Putain, par contre, c'est trop beau ici, hein. C'est trop beau. J'espère que vous aurez assez de luminosité. Enfin, de base, si vous regardez l'épisode en plein jour, en plein soleil, eh ben c'est mort. Repassez plus tard. Oh, bien ça. Pour une fois qu'il y a un truc dans la poubelle. Un petit molotov posé dans ma gova. Ouais, ouais. Ouais, on en est là. Hein. On en est là. Par contre, ils pendent les mecs dans la rue, c'est assez... atypique, je dirais. Ça me fait penser au thème qu'il y avait. Il y avait un thème PS4. Ah.
Tiens, tiens. Ils ont des capuches. Et ils sentent le fennec. Ouais, je crois qu'elle a écrit ça. Rien à foutre des scars, je dois rester concentré. Ouais, j'avoue, on s'en fout un petit peu. Pour l'instant, les mecs, ils veulent juste notre peau parce qu'on est des inconnus, quoi. Ok, on a pris la hache. De toute façon, je crois que j'avais plus d'armes de mêlée. On va tout goûter, mais... C'est quoi, là? Garden suit. Suite. Bon, là, c'est pour me dire que c'est... Je dois passer le portail du poste de contrôle. Oui, merci, Ellie. Mais on va sûrement passer par là. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on se jette dans la gueule du Séraphite. Ok. Je sais pas pourquoi, mais peut-être qu'on va regretter ce choix. Faites-moi dire le contraire. Prouvez-moi que j'ai tort, mais... Ouais, ça sent... Ah, bien joué ça. On va pouvoir faire une flèche. Non, ça va deux. Si c'était une par une, là, j'aurais vraiment... Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Vous l'entendez comme moi, ou... C'est quoi? On dirait des oiseaux. Ah, c'est ça. Ok, c'est les pigeons. Putain, je me disais, j'entends un bruit trop étrange dans mes oreilles. Et vu que j'avais baissé un peu le son avec avec l'eau là, quand on était emporté par le courant. Ah ouais. Ah ouais, mon gars. C'est, ils font des bruits chelous avec la résonance du hall. Qu'est-ce que c'est que ça? Un porte-bouteille, ok. Mais qui sont plus français que nous. Genre nous, tu sais, on met les bouteilles sur la table posée. Eux, non, ils ont un meuble carrément exprès. Ouais, ça c'est cool. Hop. T'as vu comment ça va vite dans les menus? Ça c'est moi, hein. Moi, c'est pas moi. Eh ouais. Ok. Beau jeu. On commence à se refaire une petite santé. Ah bon, deux balles. On sait comment ça finit, hein. Sur les deux balles. Allez, tu veux pas? Qu'est-ce qui est fait? Ok, un petit bug. C'est pas très très grave en soi. Donc ça, j'imagine que c'est la suite de l'histoire. Non, nous, ce qu'on veut, c'est tout ratisser. On veut qu'il n'y ait plus rien d'exploitable dans cet immeuble. Ah là là, mais les trucs, ils apparaissent une fois que je suis passé. Ici, c'est quoi? Ok, j'ai pas vu ce que j'ai ramassé. Soit. Soit. Faisons une autre pièce. J'ai l'impression qu'on est... On est là pour un petit bout de temps. Ouais. Non, bah non. Ok. J'ai menti. Et juste une petite carte. Doppelganger. Par contre, c'est quoi vos escaliers qui mènent qu'à un seul étage? On en parle ou... Ou on en parle pas, peut-être? Peut-être vous êtes pas à l'aise avec ce sujet, hein, mais bon. Moi, je suis là, là-bas, je vous propose un dialogue. Ah, ouais. On peut monter par là, donc. C'est malin. C'est malin pour se faire repérer. Il doit y avoir au moins un infecté. Sinon c'est trop facile. Mais ouais, voilà. Voilà. C'est là que ça part en couille. Regardez, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? FBI. Ok, toi tu vas nous raconter une histoire assez triste. Merde, ça craint.
N'hésitez pas à mettre la pause comme d'habitude. Ok, Simon Vickers. Simon. J'aime bien le... Je préfère le nom Simon. J'en aurais plus besoin de toi. Que Simon. Ah oui, voilà. Oh non, j'aurais pu améliorer mon arme. Oh là là, mon arme de mêlée. On va te mêler. Je vais faire un générique, on va te mêler, tu sais. Attendez. Pardon, je viens d'éternuer en fait. Si vous voulez toutes les coulisses. Je connais pas. J'ai pas les références là-dessus. Là aussi, on va faire la même chose. Enfin, là aussi. Et c'est le même fusil, qu'est-ce que j'y raconte, moi? Et ils font vraiment un bruit assez chimique, hein, les trucs. Bah, l'étage du dessus, ça a l'air mort. Je dirais qu'on doit juste descendre. Comme ça. Hop. Bien joué, ça. Tu fais des cascades, toi, non? Ouais, t'as connu Bruce Lee et tout. Hop. Vas-y. Non. Oh là là, la lourdeur. La lourdeur de cette caméra qui tourne... très étrangement. En tout cas, j'ai bien aimé le petit passage Pioneer Square, là. Avec les éclairages à base de feu. Ça rajoutait quelque chose à l'image, hein. C'était bien, bien stylé. C'est parti. Ok, cellule de crise. Comment tu dis cellule de crise, toi? Ok. Je pensais que c'était pas crisis quelque chose. Devrais pouvoir passer. Attention, screamer. Chercher des vagabonds. Puissent-elles nous quitter? Tu es au courant pour Lily? Oui, c'est vraiment honteux. Mais ça ne m'étonne pas plus que ça. Mais ça me surprend de la part de sa sœur. Ils me font peur. Je plains leur mère. Elle aurait dû sentir qu'il y avait un truc bizarre. Oh putain, il vient vers moi. Mais ils sont trop intelligents, ces bots. Et toi, tu vas rester ici en plus. Faudrait que je puisse attaquer la fille par derrière. Ils sont beaucoup trop proches l'un de l'autre. Vous êtes des vrais potes, vous. Hein. Vas-y. Vas-y, dans les fourrés. Ça s'appelle pas des fourrés, mais t'as compris. Ok, la zone a l'air assez grande. Il s'est pas rendu compte qu'il avait plus sa pote. Une Allez vagabonde ! C'est la Wolf ! Ah, ils ont des fusils aussi. Ok, ça va être chaud. Elle est partie dans les hautes herbes. Attention, tu m'attaques, je t'attaque, hein. T'es prévenu.
Ah, mais merde! La vache! Elle est dans les hautes herbes! Attends, on va se soigner vite fait. Où est l'enfant? Regarde partout. Faut la trouver. Mais merde, Ellie! Mais merde, la caméra! C'est bon, elle court! Mais putain! Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Gros, eh, je vous jure! Wallala Radine! Putain, mais. Qu'est-ce que c'est que cette caméra? Attendez. On va rester calme. Mais là, j'ai bien les boules. Ah putain, faut tout se retaper. Quelle emmerde. Mais c'est à cause de lui, là aussi. Voilà, on va faire ça plus discrètement. Par contre, ouais, le coup de la caméra qui tape un 360 pour rien, là. J'avoue que c'est assez frustrant. Ouais. On va peut-être pas passer par là. Attends, lui, il fait quel chemin? Ok, il a l'air de s'éloigner. Plutôt prendre l'arc, je pense. Ça peut être assez cool. Par contre, à mon avis, ils sont relativement nombreux. Ils sont chauds, hein. C'est rigolo, les petites bulles qu'il fait avec, avec sa bouche, là. J'aime bien. T'imagines, t'appuies sur triangle en plein combat. Ah, t'es bien dégain. Par contre, évidemment, le mec, il a qu'une seule balle. Ah putain, il y en a plein. Ah ouais. Ah, c'est la merde. D'accord. Et je sais pas, genre ils se sont pas dit, ouais, c'est peut-être beaucoup pour moi. Mais merde! Et voilà, j'ai plus rien. C'est là qu'on meurt. Ils sont où les autres? Ah oui, ils sont tous en haut. Bon, à bac, hein. Ouais, toi, je t'ai vu. Le truc, c'est que j'ai plus de Elle est derrière cette voiture. Ouais, c'est ça, je suis là-bas. Oh, vous me voyez ou pas? Je suis là-bas au fond. Regarde dans tous les coins. Il faut trouver cette wolf. Non. Mais je suis pas une wolf. Ah, mais c'est pour ça que vous êtes pas gentil avec moi. Non, mais je vous jure que je suis pas une wolf. Hein. Oh putain, j'ai envie de tout le temps, j'ai envie de tenter un molotov là-bas là. Ah, ça démange, hein. Par contre, ils sont tellement bien camouflés. C'est un truc de ouf. Ah,
Écartez-vous! On voit rien à travers ces plantes de merde. Esquive! Esquive! Je t'ai reconnu, Gus DX. Hein. Tu peux pas nous la faire. C'est bon? Vous en voulez encore? Ça a l'air bon pour moi. On va se soigner. Parce qu'ils ont l'air vraiment très très chaud. Putain, carrément mon écran s'est verrouillé. Attendez, je suis à combien? Ok, 26 minutes de vidéo. On peut continuer. Par contre lui il donne rien du tout, genre les mecs ils te mettent le plus de patates, ils te donnent rien. Regarde-moi, c'est lâche. Voilà. C'est con, t'étais pas moche. Quelqu'un a réussi à passer. Ah, donc vous, vous allez m'attendre en fait. C'est vrai qu'on aurait pu la jouer infiltration, comme dans la démo, à l'époque. Ouais. Je pense que de toute façon, dans mon deuxième let's play, enfin dans mon deuxième playthrough, que je ferai tout seul de mon côté, je la jouerai en mode full discrétion. Qui me voit? Ah, c'est lui. Voilà le travail. Je suis l'ombre, mais aussi la justice. Je suis Batman. J'en ai entendu une autre. T'es toute seule. Tu vas devoir jouer toute seule. À moins que tu descendes par un autre chemin. Non, ça a l'air d'être bon. Je vais voir encore. Ah ouais, non mais moi je suis là pour user le mode écoute. Hein. Le mode écoute, c'est toute ma vie. Ils sont trop malins, ils sont hyper discrets. Mais le truc c'est que... Je sais pas comment ils font pour se comprendre. J'aurais trop kiffé avoir un silencieux sur cette arme. Je vois rien là. C'est tellement sombre. Qui d'autre? Ça a l'air clear. Ah ouais, putain, l'endroit a tellement changé par rapport à la démo. Ah, ici on pouvait sortir et tout. Enfin, ici on se prenait une patate, je crois même. D'accord, ils ont bien... Bah tout simplement, ils ont mis le niveau différemment, tu sais. Ça paraît logique, sinon tu connais déjà tout. Ici, qu'est-ce qu'on a dans ce petit... Un escalier, bon. Est-ce que ça peut venir d'ici? Ok, il doit en rester qu'une seule. Je crois que c'est une femme. Enfin, je vous dis ça. Je vous dis ça de mon œil d'expert, MDR. Hein. Qu'est-ce que... Arrête la caméra! Des fois, elle part trop sur la gauche, trop sur la droite. On peut passer par là, je crois. Attendez, elle est juste là. Si elle s'approche un peu...
Non. Merde. Putain, on aurait pu l'avoir. Attention, fais ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est très très étrange, cette dame. Mais je reconnais à la démarche, ça c'est une femme. Ah non, il y en a une autre. Bon, écoutez, on va lui donner rendez-vous. Est-ce que j'ai un pompe? Ah merde, j'ai pas. On va lui donner rendez-vous à l'escalier. Parce que faut avancer quand même, mine de rien. Il y a des bruits partout. Une autre vagabonde! On en a raté une! Vite, elle est un sec! Mais merde! Putain! Aïe aïe aïe! Et l'autre là-bas là? Bon, ça va lui, il bouge pas. Putain, la caméra, je vous jure, là ça a failli me porter préjudice encore. Hein. En fait, elle est partie dans un délire, genre. Bah, les gars. Les gars, moi à la base j'étais parti pour. En plus, ça tirait pas à travers les barreaux, ça c'est nickel. J'étais parti pour aller sur la gauche. Non, mais là je suis pas vu là. Là c'est mensonge là. Si remarque, c'est possible. Par contre, s'il y a elle, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Elle est plus là. Qu'est-ce que c'est que ces sorciers? Ils disparaissent si vite. J'ai ma lumière d'allumer là? Non, c'est bon. Et en plus, maintenant, il fait beaucoup plus jour à l'extérieur. De chez moi, je veux dire. Et bah ouais, du coup, je commence à un peu moins voir ce qu'il y a sur l'écran. C'est nickel. Ouais. Il y avait une personne en face. Putain, j'avoue que là, de toute façon, on n'est plus du tout caché. C'est beau, hein. Là, c'est magnifique. Mais où est mon ennemi? Ah, juste là. Nickel. Pas l'air d'avoir quelqu'un d'autre. Putain. C'est bon. Allez. Oh, ces gens sont complètement tarés. J'avoue, là. Tommy, j'espère que tu t'en sors mieux que moi. Vous êtes vraiment tous des déglingos. Qu'est-ce qu'on a ici? Mais je suis déjà allé, non? Dans le doute. Dans le doute, on prend, hein. Je me demande si j'avais la possibilité de sauver le mec qu'ils étaient en train de pendre. Ah d'accord, on est là. Je sais pas du tout si on pouvait le faire. Bon, ici on peut pas remonter, clairement. Mais peut-être que, genre, si on l'avait sauvé, on aurait pu lui soutirer des infos. Je sais pas. Je sais pas du tout. Ça pourrait être cool de voir différents chemins. Ça pourrait être cool si Naughty Dog y a pensé. Y'a qui encore? Mais elle était morte par là, non? D'où est-ce qu'ils sortent comme ça? Attention, vagabond. Putain, j'ai rien qui est silencieux, moi. Ah, fixé silencieux, je l'avais pas. Ah, d'accord. Vous êtes combien? Beaucoup trop à mon goût. Beaucoup de wolves sont tombés aujourd'hui. C'est vrai. Mais ils sont encore nombreux. Ils se rassemblent. Hé, plus rien! On fonce! Non! Angèle! Vous
allons te faucher. Tiens, bah, meurs en fait. Je te propose ça. Oh la vache! Je peux rien faire, hein. Mais meurs, gros! Dégage-toi! Lâche-moi! Viens, cours! C'est vrai. Voilà, mon pote. Qu'est-ce que tu dis de ça? Bon, j'ai voulu ramasser cette arme. Ça l'a pas prise. C'est nickel. Je crois que c'est fini. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Je hais cette ville. Mais non, bon, tu hais les gens qui peuplent cette ville. C'est ça la différence. Voilà. Vous avez vu? C'est malin, non? J'utilise d'abord les soins et après j'en crafte des nouveaux. Bon, bah c'est cool, on récupère des flèches. On va pouvoir être un peu plus discret. Il est où l'autre? Il y en avait un dans le coin, je sais pas où il est mort. Putain, j'ai l'impression que les cadavres disparaissent assez vite. Pour une PS4, j'avoue que c'est chaud. Bon, sauf lui, évidemment. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici. On est plus très loin de l'hôpital et j'aimerais bien le faire dans le suivant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous et mettez la cloche pour ne rater aucune des notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous remercie pour avoir regardé celle-ci. À très très vite. Ciao.